Et dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom, merci de votre attention soutenue à la télévision de Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, CVV International. Bienvenue à notre émission Commentaire de l'Adoration. Nous sommes ici au siège FOW d'Ottawa au Canada. Nous allons, comme vous le savez, sasser et ressasser l'adoration qui a eu lieu ici ce dimanche 31 mars 2024. Nous sommes donc là sur ce plateau spécial du siège d'Ottawa et nous allons commenter cette adoration avec le disciple de Jésus, Papa Léon Omadjia, qui est chef des missions représentant de la bergerie ici à Ottawa, au Canada. Papa Léon Omadjia, Shalom. Shalom, Shalom. Merci beaucoup de vous disponibiliser pour cet exercice pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avec vous, on va donc passer en revue le message qui nous a été délivré par Papa Alain Gabriel Olangui depuis Kinshasa. D'emblée, comment la Pâque s'est passée ici au siège d'Ottawa, qui est le premier siège de la Fondation Olangui Wosho ici au Canada? Oui, cette célébration, elle a été particulière en ceci que le thème de l'année se marie au thème même de la Pâque. Le thème de l'année, nous le savons tous, réveillons-nous. Le berger sentinelle ne cesse de le répéter. Restons éveillés. Cet homme se marie très bien avec le passage du Seigneur de la mort à la vie. Et donc, cette célébration de la résurrection de Jésus-Christ a été un moment merveilleux, un moment de paix, un moment de joie, un moment de communion avec Dieu. Et le message qui nous a été servi par l'homme de Dieu, Papa Alain Gabriel Olangui, est tombé à point nommé. Alors, un message qui avait véritablement deux volets, hein, et Papa Alain nous a présenté sur base de l'évangile selon Marc chapitre 16, du 1er au 8e verset, il nous a comme ça présenté deux attitudes des personnes qui ont été formées par Jésus pendant 3 ans de son ministère, attitudes contradictoires. Face à ce fait évident de la résurrection de Jésus. Alors, Papa Alain Olangui a commencé par nous parler de ces trois femmes qui, contrairement aux autres disciples de Jésus, se sont levées de grand matin pour aller embaumer le corps de Jésus. Pourquoi seulement les femmes, Papa Léon, et non pas les hommes, alors que les femmes sont appelées être de sexe faible? Je crois qu'il y a dans la femme un secret que peut-être le Seigneur sera le seul capable à divulguer. Pourquoi? Parce que la Bible dit, quand la femme a été créée, l'homme dormait. Donc il s'est passé des choses entre Dieu et la femme. Et il n'y avait pas de témoin à ce moment-là. Vous le savez, le cœur de la femme par nature, c'est un cœur sensible. Un cœur sensible. Et ces femmes qui ont marché avec le Seigneur pendant 3 ans, qui l'ont servi, la Bible témoigne qu'elles mettaient même de leur propre bien au service du ministère de Jésus-Christ. Elles ont appris certainement que lorsque Joseph d'Arimathée a eu l'autorisation de recueillir le corps de notre maître, il a juste enveloppé dans un linceul. Il n'y avait pas de soins particuliers. Oui, ça a été fait à la va-vite. Dans ces conditions-là, le corps ne pouvait pas être conservé pour une certaine durée. Et elles ont décidé, elles qui déjà étaient des partenaires du Seigneur, elles étaient fidèles à Jésus vivant, elles prouvent encore leur fidélité à Jésus mort. Elles décident d'acheter des aromates, comme la Bible le dit, pour aller l'embaumer, parce que pour eux, le corps du Seigneur sacré et qui valait la peine que ce corps-là voit la corruption. Ça correspond même à une prophétie des Écritures dans les psaumes.
que le Seigneur ne permettra pas que son cerveau ait la corruption. Il voulait que le corps soit gardé intact, oui. Plus ou moins intact du moins, pour que la mémoire du Seigneur ne s'efface pas. Alors, cette démarche-là était-elle fondée, d'autant plus que ces femmes sont restées avec Jésus pendant 3 ans? Jésus leur a dit qu'il allait ressusciter. Mais elles, néanmoins, s'amènent avec des aromates pour embaumer un corps d'une personne qui leur a dit finalement que 3 jours après, il reviendrait à la vie. Oui. Quand vous regardez même l'attitude de disciples, et particulièrement des apôtres, la manière dont le Seigneur a été malmené, il a souffert, bon, il a été crucifié, tout ce qu'il a subi comme châtiment et tout, devrait avoir eu comme effet dans le cœur de ses disciples le fait d'installer une certaine frayeur, un certain découragement en même temps, pour se dire si ces choses sont arrivées à notre maître et qu'elles nous arriveraient-ils à nous autres si nous mettons en face de ces sacrificateurs, de ces scribes, de ces pharisiens et de tous ceux qui détiennent le pouvoir politique ici, qu'est-ce que nous allons devenir? Mais en même temps, il y avait dans ces femmes certainement le souci de dire « Notre maître ne disparaîtra pas comme ça. Il n'était pas n'importe qui. Okay. Il n'était pas n'importe qui. » C'est vrai, Joseph d'Arimathée l'a mis dans une tombe, dans un sépulcre tout à fait neuf et tout. Mais nous, nous voulons que son corps soit conservé. Et en attendant que la résurrection puisse avoir lieu, ces femmes avaient cette préoccupation-là de faire en sorte que le corps du Seigneur ne pourrisse pas. Alors, papa Alain Gabriel Olangui l'a très bien dit, hein, en signifiant le caractère éveillé de ces femmes sur le plan spirituel, qui sont sorties de là où il s'est caché avec des disciples, parce qu'ils étaient tous apeurés. Oui. Elles sont sorties de grand matin pour aller embaumer le corps de Jésus, parce qu'elles étaient reconnaissantes à ce Dieu qui leur avait fait tant de bien. Écoutons un extrait et puis on va revenir pour commenter. Où étaient les disciples? Disciples de Jésus. Bazalaki wapi. Ils étaient où? Blaise, babanaki olala. Blaise, ils étaient en train de dormir. Bazo banga. Ils avaient peur. Peur d'être reconnus. Qu'ils étaient disciples de Christ. Peur d'être reconnus. Qu'ils ont marché avec Jésus. Mais ces femmes-là n'avaient pas peur. Maman, elles n'ont pas peur. Elles ont dit, on va aller affronter. Rien le fait que d'avoir cette volonté-là. D'aller honorer le corps de Jésus. Mais Jésus ne pouvait faire qu'un miracle. Parce qu'elle a vu le cœur de ces femmes-là. Le cœur des disciples était déjà abîmé. Mais le cœur de ces 3 femmes-là. Magdala, Magdala qui avait des démons. Dieu l'avait libéré, délivré. Je n'abandonnerai pas Jésus. Je n'abandonnerai pas le Dieu de papa et de maman Olangi. Lisons la suite au 3e verset. Elle disait entre elles. Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Pour embaumer Jésus. Les soldats ne voudront jamais ouvrir. Le tombeau a été scellé.
Mais ce que les autorités avaient oublié, c'est que même ceux qui battaient Pierre Wana, même s'ils avaient mis la pierre, ils ne savaient pas que Jésus était la pierre angulaire. Ils ne savaient pas que Jésus-Christ était la pierre vivante. Ils ne savaient pas que c'était Jésus, le rocher des âges. Ils avaient oublié cela. Et ils avaient oublié également. Baye Bakite. Ils ne savaient pas. En scellant cette pierre. Baye Bakite que Makila ou Babeta qui est Souana. Ils ne savaient pas que le sang qui était versé lorsqu'il frappait. C'était Jésus. Ça le véritable sceau. C'était le véritable scellé. Acclamons l'Éternel. Qui nous roulera cette pierre? Rien que la volonté, Dieu ne pouvait que faire un miracle. Quand tu as la volonté, avant même que le problème n'arrive, Jésus-Christ déjà résout ton problème. Jésus-Christ déjà te délivre. Rien que la disposition de ton cœur, tu n'as même pas besoin de faire une cure d'âme. La volonté que tu as, Dieu te libère automatiquement. La volonté qu'elles avaient a fait en sorte que l'ange descende. Continue la suite. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Acclamons l'Éternel. La pierre, la grande pierre a été roulée. Baye Bakite que Jésus. Il ne savait pas que Jésus. Que Jésus est la pierre précieuse. Que Jésus est la pierre d'échappement. Baye Bakite. Que cette grosse pierre-là ne pouvait pas être roulée. Jésus le rocher des âges. La pierre précieuse. La pierre vivante. La pierre angulaire. A roulé cette pierre. Elles ont constaté. Elles n'ont que constaté. Pourquoi? La volonté. Ayons des cœurs bien disposés. Et Dieu fera dans nos vies. Ayons des cœurs bien disposés. Et Dieu va ressusciter tout dans nos vies. Ayons un cœur bien disposé. Et Dieu va transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. La volonté. Des fois, on n'a pas besoin de cureur. Le cœur. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'impose les mains. Ton cœur. Alors, là, c'est Papa Alain Gabriel Olingué que nous venons de suivre dans cet extrait de ce message du 31 mars 2024 depuis Kinshasa. Il nous parle en fait des deux obstacles majeurs qui jonchent justement le chemin que ces femmes ont emprunté. D'abord, de grand matin, elles sont sorties, mais elles savaient pertinemment bien qu'il y avait une grosse pierre qui était placée à l'entrée justement de la tombe de Jésus. En sus de la pierre, Papa Alain Gabriel Olingué parle de la cohorte de policiers qui étaient commis à la surveillance des lieux. Mais cela ne les a pas empêchés, Papa Omandjia, de s'y rendre quand même. Oui. C'est un acte de foi. Oui. Un acte de foi et ça montre l'engagement de ces femmes. Elles étaient prêtes à tout pour leur maître. Alléluia. C'est peut-être ce qui nous manque à nous autres chrétiens d'aujourd'hui. Et prendre de risques pour le Seigneur. Absolument, absolument. Accepter à un certain moment de souffrir à son nom. De manière générale, les chrétiens d'aujourd'hui tendent la main, ils implorent, ils appellent, toujours prêts à recevoir. Mais parfois, lorsqu'il faut donner, c'est avec difficulté. Ces femmes étaient en quelque sorte en train de donner leur propre vie, leur propre sécurité. Et ce n'était que des femmes, imaginez-vous. Tout à fait, tout à fait. Et tôt le matin, elles pouvaient rencontrer des gens sur la route qui pouvaient
On ne savait pas quelle serait la réaction des gardes qui étaient commis. Tout à fait. Au niveau du sépulcre du Seigneur, mais elles ont pris le risque. Mm. En fait, avec détermination. En elle, papa Alain, justement, a parlé de la volonté, oui, de la détermination de ces femmes qui, au fin fond d'elles, se disaient qu'un miracle est possible. Mm-hmm. Parce qu'elles ont amené des aromates, tout mm-hmm. et tout pour embaumer le corps de leur maître, se disant mm-hmm. qu'il y aura une éventualité mm-hmm. pour que nous ayons accès au sépulcre. Et là, à leur grande surprise, elles arrivent. Mm-hmm. Première chose, elles trouvent que la pierre avait été roulée. Alléluia. Amen. J'ai été très touché lorsque l'homme de Dieu a abordé cet aspect-là. Alléluia. Voir que Dieu, qui est capable de lire nos intentions, amen, a vu la préoccupation de tout ces femmes. Fait, tout à fait. Se disait, cette pierre-là, nous n'avons pas la force physique nécessaire pour la déplacer. Elle ne pouvait pas non plus compter sur le concours des gardes pour les aider à rouler la pierre. Oui. Et le Seigneur a entendu. Il a vu la préoccupation de ces femmes et il a fait que ces gens viennent en mission pour rouler la pierre. Mais avant de rouler la pierre, vous comprenez qu'ils ont maîtrisé la cohorte qui était de garde pour qu'il n'y ait plus d'obstacles lorsque les femmes arriveraient. Tout à fait, tout à fait. C'est important. Papa Alain Gabriel Olangui dit que nous devons avoir des bonnes dispositions de cœur. Cœur, oui. Un cœur bien disposé pour pouvoir expérimenter la gloire de Dieu. Mmh. Il y a plusieurs pierres qui jonchent notre parcours, mmh. qui jonchent notre destinée. Nous nous posons mille et une questions. Qui nous roulera cette pierre? Mmh. Il s'agit d'un défi majeur dans mmh. votre vie qui vous empêche d'atteindre votre destinée, mmh. votre plein épanouissement en Jésus-Christ. Oui. Un questionnement, certes, évident, fondé, mais si vous avez un cœur bien disposé, mmh. notre Dieu qui sonde les cœurs et les reins, mmh. finira par manifester sa gloire. On l'a vu, n'est-ce pas, avec les trois femmes, Papa Léon? Tout à fait. Le fait que leur cœur ait exprimé le désir mmh. d'avoir accès au corps du Maître et de l'embaumer, sachant bien qu'il y a un obstacle, mmh. le fait qu'elles se soient préoccupées de cet obstacle-là, que ferons-nous pour avoir accès au corps? Qui va déplacer cette pierre? C'était suffisant aux yeux du Seigneur. Alléluia. Pour que le Seigneur déclenche l'opération. Alléluia. Ça devrait être une leçon pour nous. Mm. Souvent, nous regardons les obstacles de loin avant de les affronter. Mm. Et en les regardant de loin, nous sommes comme paralysés. Nous n'osons pas agir. Tout à fait. N'essayons pas de faire le premier pas. Mm. Or que parfois le Seigneur attend que nous fassions le premier pas pour qu'il s'occupe du reste. Ne soyons pas focus sur la grandeur de l'obstacle qui est en face de nous. Mm-hmm. Ne tenons pas compte de la taille de ce Goliath qui est devant nous. Regardons à la grandeur, à la puissance de notre Dieu et nous avons la foi qu'il va se manifester puissamment. Alors, première attitude, tout à fait édifiante, des femmes qui étaient spirituellement réveillées et qui croyaient à la résurrection de Jésus, contrairement aux autres disciples qui sont restés apeurés, terrés à Jérusalem par peur de représailles. Okay. Suivons Papa Alain. Personne n'a prié pour lui pour qu'il ressuscite. Même la chambre haute des disciples. Ils n'ont même pas prié. Papa Alain, Ils n'ont pas prié. Et pourtant, Dieu leur avait dit. Marc 14, 28. Jésus leur a dit, je vais mourir. Je vais ressusciter. Et vous allez me précéder quelque part. Jésus leur avait déjà dit ça. Mais où était-il? Quand Jésus a ressuscité, il n'y avait que ces trois femmes. Continue. Le verset 7, je lis au nom de Jésus. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'ils vous précèdent en Galilée. C'est là que vous les verrez, comme il vous l'a dit. Comme il vous l'a dit, acclamons le Seigneur. Jésus avait déjà parlé à ses disciples. Je vais souffrir.
Je serai crucifié. Je vais mourir. Et je vais ressusciter. Et lorsque je vais ressusciter, rendez-vous à Galilée. Mais où était-il? Il est ressuscité. Le tombeau est vide. Alors, l'ange dit, moi je coloba. L'homme en blanc leur confie une mission. Moto ala ti pembe akopé sa bango etinda. Leur donne un mandat. Akopé sa bango nzela akosa yoko songolo. Allez dire. Pokende koloba koyebisa. Vous savez, vous devez lire la Bible. Il n'a pas dit allez dire aux disciples de Jésus-Christ. Il n'a pas dit allez dire aux disciples qui ont marché avec Jésus. Il a dit allez dire à ses disciples. Et à Pierre. Et Pierre avait une grâce. L'ange a cité son nom. Lui qui a régné Jésus trois fois. Lui qui a compliqué Jésus. Lorsque Jésus lui a dit que je te confie le royaume des cieux. Mais l'ange a dit, allez voir les disciples. Et Pierre. Voyez quelle grâce, la miséricorde que Dieu a accordée à Pierre. Après l'avoir renié trois fois. Notre Seigneur est un Dieu de miséricorde. Acclamons le Seigneur. Alors, il leur confie le mandat. Allez voir les disciples. Continue, 8. Le verset 8, elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Continue. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle elle avait chassé sept démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Parole du Seigneur, arrête-toi là. Acclamons le Seigneur. Donc, les trois femmes, Magdala, Salomé et Marie, chacun sa mission. Salomé et Marie, ils vont voir les disciples. Okay, Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ Matthieu en parle. Luc en parle. Jean en parle. Ils sont allés voir les disciples. Okay, mais les disciples dormaient. Les disciples pleuraient. Les disciples étaient affligés. Pendant que ces trois mamans étaient non seulement réveillées, et puis elles veillaient également. Elles veillaient également sur le corps de Jésus. Réveillées, éveillées, éveillées. Pendant que les disciples dormaient, pleuraient, affligés. Alors, là nous trouvons un deuxième tableau, Papa Léo Mangia, qui fait réfléchir. Un tableau, cependant, constitué des disciples de Jésus. Ouais. Certains parmi eux avaient opéré des miracles au nom de Jésus. Ouais. On ne nous parlait pas de ces femmes, là, les trois. Mais là, c'est des disciples qui ont expérimenté la puissance de Dieu. Ouais. Mais là, ils sont incrédules face à une chose que Jésus leur avait déjà annoncée. Il leur a dit, je vais vous précéder en Galilée, mais là, eux sont restés terrés à Jérusalem. Quel manque de foi, quelle incrédulité.
un mélange, c'est un peu un cocktail. La frayeur, la peur. Ils ont vu le calvaire de leur maître. Ils ont vu la menace qui pesait sur eux-mêmes. Et ça, c'est, comme disait un homme de Dieu, l'ennemi de la foi, c'est la peur. Tout à fait. Et le fait qu'ils étaient apeurés a fait que leur foi n'agissait plus. Et moi, je crois que ça devrait être une interpellation. Parce qu'au fait, dans les disciples, là, il y avait notamment les 11 apôtres. Oui. C'est-à-dire, à part Judas, qui n'était plus du groupe, après la trahison, il y avait là les 11, peut-être plus d'autres disciples. Tout à fait. Donc, les apôtres du Seigneur, qu'il a formés pendant 3 ans, qui l'ont accompagné, des missions difficiles, même les Pierre, les Jean, les Jacques et les Jean, qui ont vu sa gloire, notamment lors de la transfiguration. Oui, qui ont assisté même à des résurrections. À des résurrections, opérées par Jésus. Opérées par Jésus. Mais ils n'ont pas cru que ce même Jésus-là allait revenir à la vie de lui-même. Oui, ils ont eu le même comportement, la même attitude que Monsieur Tout-le-Monde. Tout à fait. Monsieur Tout-le-Monde. Et je crois que ça devrait être une interpellation pour nous, qui nous disons ouvriers et serviteurs des dieux, qu'à un certain moment... on devrait être habité par une certaine humilité pour se dire, on n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé. Et il faut toujours veiller. Il faut toujours veiller. Parce que c'est étonnant que dans ce groupe-là, ce n'étaient pas ces femmes, ces 3 femmes qui étaient dans l'avant-plan. Non, pas du tout. Ah oui. Pas du tout. Elles venaient en second lieu, soutenant du point de vue financier et matériel le ministère de Jésus. Mais ceux qui partaient avec lui au front, qui devait annoncer la parole à ceux qu'il a envoyés pour affronter les démons, c'était les apôtres. Et c'est ceux-là qui dorment. Oui. C'est comme si dans notre ministère, là, aujourd'hui, vous avez 2 groupes de gens, ceux qui exercent les fonctions spirituelles et ceux qui exercent les fonctions d'appui. Mais face à ce combat-là, ceux qui étaient appelés aux fonctions spirituelles étaient en train de dormir. Paradoxal. Ouais, paradoxal. En fait, Jésus, Dieu a voulu là, se servir des choses faibles pour confondre les forts. Les forts, oui, tout à fait. Et nous devons, n'est-ce pas, tenir compte du fait que notre Dieu est capable de faire des choses qui vont au-delà de notre attentement. Peu importe ce que vous vivez maintenant, il y a des choses qui vont clopin-clopant dans votre vie, ça ne tient pas. Mais là, nous vous annonçons un Dieu ressuscité. Nous vous annonçons ce Dieu qui est capable de vous apporter la résurrection dans tous les domaines de votre vie. Il suffit seulement que vous ayez la bonne détermination, la disposition de cœur à la manière de ces 3 femmes pour que vous viviez la gloire de Dieu. Et voyez-vous, papa Léo Mangia, papa Alain l'a dit, lorsque Jésus veut apparaître, premièrement, il apparaît d'abord à Marie de Magdala, compte tenu de l'état de son cœur. Et voyez-vous, Marie de Magdala croit que Jésus est ressuscité, mais lorsqu'elle va en parler, lorsqu'elle va porter la nouvelle de la résurrection aux disciples, ceux-ci, qui étaient censés être les mieux qualifiés, ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Quel niveau d'endormissement, quel niveau de sommeil spirituel. Un niveau de sommeil spirituel. Alors, déplorable. Ne soyons pas dans ce cas de figure-là. Ça nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Voyez-vous, papa Alain Gabriel Olangui a même parlé des 2 disciples de Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Ça, c'est encore écœurant, c'est révoltant. Suivons. D'autres sur le chemin d'Emmaüs en train de discuter. Et même sur le chemin d'Emmaüs, ils n'ont pas reconnu leur maître. C'est pour vous montrer l'état de sommeil qu'avaient ses disciples. Lis-nous, continue. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Les disciples qui dormaient n'ont jamais cru que Jésus est ressuscité. Ils n'ont jamais cru. Quel degré de sommeil. Papa Kabeya. Papa Kabeya. Quel degré de sommeil. Il est où, Papa Kabeya? Il vient de Brazza. Papa Kabeya. Quel degré de sommeil. Ils n'ont même pas cru aux paroles de ces femmes.
Qu'est-ce que les femmes ont à nous rapporter? Moi, c'est à côté à Nini. Qu'est-ce que la femme a à dire, à prêcher? Révélation Nini, moi, c'est à côté à Bissot. Quelle est cette révélation qu'une femme est en train de nous donner? Grâce à ces trois femmes-là, on a su que Jésus est ressuscité. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on parle de ces femmes-là. Continue. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Continue. Enfin, il apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Acclamons la parole du Seigneur. Je vous ai dit, les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs n'ont même pas reconnu leur maître. Jésus a marché avec eux, ils n'ont pas reconnu. Jésus a parlé avec eux, ils n'ont pas reconnu. Quel degré de pongi? La dernière fois, des fois quand je voyage, je suis allé dernièrement à Kolwezi et à Lubumbashi. J'ai pris mon vol. J'ai mis une casquette. J'ai mis mon masque. Comment m'attendre à avion? Et je vais prendre mon vol. Afin d'aboyer. Pendant que j'étais assis. Papa, alléluia. Alléluia, papa. Moutali Bosso. La première personne. Maman. Aïe. Il y a une maman qui s'est approchée. Papa Alain, alléluia. Naza, alléluia, papa Alain. Naza promotion Déborah. Je suis de la promotion Déborah. Masqué que j'étais. Nazi bien longi, n'a pas bien longi. Mais elles m'ont reconnu. Mais ces disciples-là, ils ont mangé avec Jésus. Ils ont dormi avec Jésus. Mais ils n'ont pas reconnu. Quel degré de... Il y avait cinq qui sont venus me saluer. Ils ont éveillé. Ils savent reconnaître le berger. Les disciples, dans leur sommeil, profond, n'ont pas pu reconnaître leur maître. N'ont pas reconnu leur berger. Tandis qu'Akola l'a bien aimé. Arrêtons de dormir. Arrêtons de dormir, de somnoler. Maman Olengi nous a dit, ne vous arrêtez pas en chemin. C'était Maman Olengi qui l'a dit ici. Pourquoi devons-nous nous arrêter en chemin? Pourquoi on laisse le sommeil nous emporter? Dans des futilités. Et pourtant l'essentiel est là. Nous sommes venus ici prier. Chercher la face de l'Éternel. Pour que l'Éternel fasse davantage dans nos vies. Un point, c'est tout. Rien d'autre. On n'a pas dit de nous arrêter en chemin pour dormir. On ne nous a pas dit de nous arrêter en chemin pour critiquer, pour insulter, pour toujours voir la bête noire. Non. Les femmes viennent. Les disciples n'ont pas cru. Les deux disciples. C'est au moment où Jésus rend le pain et donne le vin. Et quand il commence à parler, ils disent, ah, mais ça c'est Jésus. Mais par le temps qu'ils reconnaissent Jésus, Jésus s'en est allé.
ils vont voir leurs condisciples. On a vu Jésus ressuscité. Et même là, leurs collègues n'ont pas cru. Qu'est-ce que vous racontez? Ils ont complètement oublié ce que Jésus leur avait dit. Dans Marc 14, 28, ils ont complètement oublié dans le sommeil. S'ils étaient éveillés, aussitôt qu'on avait enterré Jésus, déjà il fallait déjà qu'il y ait Galilée. Il devait se rendre à Galilée. Au lieu d'aller au chemin de Maïs, au lieu de se cacher, en train de pleurer, en train de dormir, il devait aller une jusqu'à Galilée. Parce que Dieu leur avait déjà dit. Alors je suis en train de m'imaginer quel degré d'envoûtement, de sommeil, les disciples avaient. Ne prenons pas cette attitude-là. Prenons l'attitude de ces trois femmes qui nous ont appris que Jésus est ressuscité. Nous allons acclamer pour les mamans de la CIFMC qui ne se fatiguent pas de travailler pour leur délivrance, la délivrance de leur famille, de leur foyer, de leur mari, de leur maison, comme Maman Olangi les a appris. Non, rien n'a changé. Maman, cola la tête. Maman, ne dormez pas. Ne dormez pas. Soyez toujours réveillés. Soyez toujours éveillés. Éveillez toujours sur vos maisons et Dieu va agir. Papa Léo Omandjias, c'est bouleversant. Mm-hmm. Ils ont vécu avec Jésus pendant 3 ans. Mm-hmm. Ils ont mangé avec lui. Oui. Jésus, à sa résurrection, n'a pas changé de visage. Oui. Sinon, on dirait que c'est un imposteur. Mm-hmm. Il est resté le même. Mm-hmm. Même teint, même silhouette, même mm-hmm. aspect. Mm-hmm. Mais pourquoi les deux-là, sur le chemin d'Emmaüs, ne mm-hmm. l'ont pas reconnu? Chose grave. Leurs mais... yeux physiques, pourtant, étaient ouverts, Papa mm-hmm. Léon. Pourquoi ne l'ont-ils pas reconnu? Mm-hmm. Chose grave, c'est qu'ils étaient même en train de parler de lui. Voilà. Dans d'autres évangiles, la Bible dit qu'il était préoccupé de ce qui était arrivé. Et quand le Seigneur leur a posé la question, mais de quoi parlez-vous? Vous n'avez pas appris ce qui est arrivé. Il expliquait, ne sachant pas qu'il parlait à l'intéressé. C'est pas possible. C'est-à-dire que la situation était telle que la foi des disciples était comme morte. Mm. Elle était comme morte, elle était éteinte. Et il a fallu qu'il puisse expérimenter cela pour constater que réellement le maître est ressuscité. Il avait annoncé qu'il passerait de la mort à la vie. Mais quand il considérait la manière dont il était mis à mort, tout ce qu'il a souffert. Et lorsqu'il est revenu à la vie, c'est comme si les disciples n'étaient pas prêts à réaliser que cela soit effectif. Tout à fait. Que cela soit effectif. Et lui, qui voyait cette situation, il dit, mais non, la promesse est déjà accomplie, vous devez être au courant. Mmh. C'est lui-même qui fait la démarche d'aller vers les disciples. Alléluia. 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 Fait la démarche d'aller vers eux. Et ceux-là, sur le chemin d'Emmaüs, ils ont eu la grâce parce qu'il a marché avec eux. Il a marché avec eux, il a parlé avec eux, il a échangé, ils sont arrivés quelque part, il prend du pain. C'est quand il commence à bénir, à dire des choses. Quand ils ont mangé le pain. Oui, ils ont mangé le pain. Leurs yeux se sont ouverts. Les yeux se sont ouverts, ils disent, mais ça doit être lui. C'est le maître. Mais c'était trop tard. Il est parti.
En fait, c'est la parole de Dieu, Papa Léon Mandjia, qui réveille notre esprit. Ah, tout à parce fait. Que ces jours-là, et puis quand vous suivez, vous lisez cela, la Bible dit que lorsque Jésus leur parlait, ils sentaient comme quelque chose dans leur cœur qui bouillonnait. Oui. Par rapport à ce que Jésus leur disait. Tout à fait. Mais voilà qu'ils avaient besoin de la parole. Mm-hmm. C'est la parole qui nous réveille. Mm-hmm. Lorsqu'ils ont mangé le pain sur lequel Jésus avait prié, eh bien, leurs yeux se sont ouverts, ils se sont rendus compte que c'était là le maître. Et aussitôt après, ils sont rentrés à Jérusalem. Alléluia. Mm-hmm. Ils ont rejoint les disciples pour pouvoir continuer la marche avec le Seigneur. Et là, quand Jésus leur apparaît à tous, il leur reproche leur incrédulité, la dureté de leur cœur. Oui, à ce moment-là, rien n'était plus voilé. Il a parlé ouvertement. Il leur a dit, mais ce n'est pas possible. Je vous ai enseigné, je vous ai annoncé que je ressusciterai. Mais pourquoi, lorsqu'on vous en parle, vous ne croyez pas? Pourquoi? Mais là, le Seigneur m'inspire quelque chose, Papa Christo. Voyez-vous, lorsque le Seigneur annonce et sa mort, sa résurrection, et bien, le dernier repas avec les disciples, c'était la Sainte Cène. Tout à fait. Oui. Et c'est exactement ce qu'il refait avec les deux disciples d'Emmaüs. Prenez mon corps. C'est pour vous qu'il a été pris. Alléluia. Quand ils ont pris le pain, Alléluia. La Bible dit les yeux se sont ouverts. Amen. C'est-à-dire que sans le Christ en nous, dans ce monde, les yeux sont fermés. Absolument. Il faut qu'il soit là pour que nous voyions. Amen. Il faut qu'il soit là pour que nous voyions. Souvent, j'ai l'habitude de dire aux gens, quand Dieu veut créer des arbres, il dit que la terre produise les arbres. Les herbes. Quand il veut créer des poissons, il dit que les eaux produisent des poissons. On comprend qu'un poisson normal, ordinaire, ne peut vivre sans eau. Un arbre normal, une plante normale, ordinaire, ne peut survivre sans la terre. Amen. Mais quand Dieu veut créer l'homme, il dit, créons l'homme à notre image. Alléluia. Le vrai environnement de l'homme, s'il veut vivre et être heureux, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tant que l'homme est éloigné de Dieu, il est certainement engagé sur le chemin de la destruction. Là, il s'agit, vous l'avez compris, d'une promesse ferme du Seigneur de sa résurrection. Promesse qu'il a faite à ses disciples pour les apaiser. Pour leur dire, ça va être dramatique, mais tenez bon, je reviendrai à la vie. En fait, en l'occurrence, nous avons reçu beaucoup de promesses de notre Seigneur. Dans divers domaines de notre vie, Dieu nous a promis mille et une choses. Mais cependant, au regard de l'évolution de notre vie, parfois le doute s'installe, le cœur s'endurcit, l'incrédulité remonte et nous commençons à réfléchir. Nous nous demandons, est-ce que cela va réellement se réaliser? Cela va-t-il réellement s'accomplir? Papa Alain, dans le message d'aujourd'hui, il a voulu nous rassurer que ce que Dieu promet, il le réalise. Toujours. Si Dieu a promis qu'il va vous visiter, quel que soit l'environnement, des circonstances, des temps ou des lieux, soyez confiants, vous finirez par vivre ce que Dieu vous a promis. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, encore moins un fils de l'homme pour se repentir. Papa Léon, on va terminer par là. Un mot par rapport à ceux qui n'ont pas suivi ce message, qu'est-ce qu'ils peuvent en retenir de substantiel? D'abord, je voudrais les encourager parce que c'est un message qui a été donné avec une certaine onction. Amen. Et grâce à votre chaîne CVV International, gloire à Dieu. Ce message est gardé, bien conservé. J'encourage les gens à le suivre. Mais s'il faut faire un petit résumé, je voudrais leur dire ceci. Lorsque le Seigneur promet une chose, il l'accomplit. Alléluia. Alléluia. Et lorsque le Seigneur veut se glorifier sur cette terre des hommes, il est capable de passer par tout ce qu'il y a de plus faible, de plus négligeable, tout ce qui est de moins qualifié. C'est ce qu'il a fait quand il a vu la volonté et la détermination qu'il y avait dans ces femmes. Le Seigneur a choisi de se montrer à eux, de donner le message et d'envoyer même un message à ses disciples qui étaient des hommes. Ces femmes sont des femmes comme celles d'aujourd'hui. Pour cela que je voudrais dire un mot à certains milieux, à certaines communautés où l'on pense que la femme
ne peut jouer que des rôles secondaires dans l'Église, dans la maison de Dieu, quoique c'est une erreur. Le message de la résurrection a été reçu en premier par les femmes, et ce sont elles qui l'ont propagé, qui l'ont amené vers les disciples, qui devraient être, qui étaient censés être les plus qualifiés et être les premiers destinataires de ce message. Parce que c'est en eux que le Seigneur avait le plus investi. Tout à fait. Oui. Mesdames et messieurs, quel que soit ce que vous êtes, quel que soit votre état de faiblesse, si vous avez de bonnes dispositions de cœur, si vous avez de la bonne volonté, la détermination à vivre la promesse de Dieu, le Seigneur finira par manifester sa gloire. Amen. Et vous vivrez la résurrection, vous en serez témoin. Amen. Merci de votre attention à ce programme Commentaire de l'adoration que nous avons tourné depuis le siège FOW d'Ottawa au Canada. Merci de votre attention. Nous bénissons également l'équipe CVV ici à Ottawa, dirigée par Papa Joseph Chamba, qui nous a offert ce matériel qui nous permet de vous atteindre chez vous, dans vos maisons. Soyez bénis. Vous suivrez un programme spécial CVV international depuis ici à Ottawa. Et nous avons la foi que nous passerons des moments très bénis dans la glorieuse présence de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Merci encore de votre attention et à la prochaine. Samedi et dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ.